représente cette journée aujourd'hui ? Ah, pour nous, ça représente beaucoup déjà en tant que bikers, forcément. Johnny qui était l'homme de la moto, Johnny qui roulait avec toute moto, pas spécialement l'hiver aller, il a commencé comme tout le monde, il était petit modèle, et puis voilà, ça s'est devenu après un très grand rouleur, un très grand biker. C'est pour nous, forcément, c'est en premier lieu, c'est ça en tant que biker, forcément l'homme après pour ce qu'il était, pour le chanteur qu'il était, le musicien qu'il était, la gentillesse qu'il avait. Je dirais que j'ai un seul petit regret, c'est sur ce qui vient d'être dévoilé, enfin le monument. Très bien pour le manche à Gibson, très bien pour la moto qui est la sienne, qui a été mise en haut. Un petit regret, je le dirais, c'est de ne pas avoir son portrait dessus. C'est la seule chose. Hein. Et Johnny n'étant pas chez nous, étant enterré loin de chez nous, ça aurait peut-être été un peu mieux d'avoir son portrait dessus. Voilà, il nous manquera beaucoup, on a fait son enterrement, ça a été très dur le jour de l'enterrement, on a versé une petite larme. Tout à l'heure, j'ai vu que le petit gars de chez nous avait aussi une petite larme. Voilà. Je crois que là, on a fait le tour, l'enterrement, la statue. On vient de Boulogne-sur-Mer, on est parti depuis seulement 24 heures sous la flotte. On a eu des trompes d'eau. Comme le jour de son enterrement, je crois qu'il nous a fait un peu le même tour. Le jour seulement, c'était la neige, ça a été un peu des tours. Voilà, merci Joe. Ah, le choix du site là par exemple. Ah, le choix du site, par contre le choix du site est formidable. Johnny qui a fait plus de 100 concerts ici, c'était l'endroit idéal qu'il fallait guider ce monument. C'est pour nous pouvoir venir nous recueillir, pour nous voir un peu. C'est très très bien, c'est vraiment bien choisi. Bravo à ceux qui ont su trouver l'emplacement. Franchement, nickel. Alors l'arrivée de Laetitia a créé une petite crispation un petit peu, non ? L'arrivée de Laetitia, c'est sûr que quand on va arriver Laetitia, on se dit qu'elle était devant derrière, c'était Johnny qui était devant. Là, ça nous fait un petit peu mal au cœur de ne pas l'avoir là, forcément. Ses filles qu'il adorait, qu'il était là aussi. Bon, un petit peu déçu de ne pas avoir vu ses enfants qui n'étaient malheureusement pas là non plus. Ça nous a manqué peut-être un peu aussi. Enfin voilà, c'est la vie, hein. C'est pareil, on ne va pas revenir là-dessus. Donc il y a Laetitia et donc il y a tout le monde. Un dernier mot là, vous représentez un club ? Oui, alors je représente, je suis le directeur du club Harley Davidson de Boulogne-sur-Mer. Donc là vous étiez invité au club ? Là on était invité, donc pour monter, on nous avait donné 10 places, on est monté parce que forcément on s'était réduit. Par le club Harley. Non, c'est par le club fan de Johnny Hallyday, c'est eux qui nous ont invités. Et Saint-Maximin, pareillement, qui nous a invité aussi à venir avec eux pour partager cet événement et ce grand moment. Merci beaucoup.